Voilà, bonsoir à vous. Nous sommes de retour sur le plateau de Réveil TV dans le cadre de l'émission Réveillez-vous. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je suis de nouveau avec mon frère Christ. Voilà, nous étions là et par la grâce de Dieu, on a pu commencer sur le thème les séductions. Et pour la première partie, la première heure, Dieu nous a vraiment conduit à beaucoup plus partager sur la séduction par rapport au péché, donc la séduction du péché. Et juste à titre de rappel, on a pris certains passages, hein, on a pris Hébreux 3. Je crois à partir du verset 12. Le Seigneur nous a aussi conduit à prendre 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset, je crois, 4. On a pris Genèse 3 Genèse aussi. 3 pour introduire, voilà, la première séduction. Et on a pris pas mal d'autres passages comme Proverbe 7 par rapport à la séduction sur, par rapport à cet esprit-là, l'esprit de Jézabel. On a pris Apocalypse 17. On a pris Juges 16 par rapport à l'histoire de Samson. Et voilà. Et donc le Seigneur nous a conduit comme ça. On a pris, je crois, 2 Pierre 3. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il y a pas mal de versets comme ça qu'on a pris. Et par la grâce de Dieu, on voudrait continuer dans le même élan, mais en touchant la séduction maintenant par rapport aux fausses doctrines. Voilà. Donc d'entrée de jeu, je voudrais qu'on prenne un passage dans 2 Corinthiens chapitre 11, le passage qu'on a pris. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du premier verset. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 1. Voilà, donc nous sommes sur la deuxième partie de l'enseignement sur les séductions et on va aborder la séduction par rapport aux fausses doctrines. Alors là, c'est Paul qui écrit, il dit, plaise à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie. Je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie des dieux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Verset 3. Mais je crains que comme le serpent a trompé Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons prêché, un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez très bien. Donc ici, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe, parce qu'il y avait un problème en fait dans cette église. Ils avaient maintenant beaucoup d'enseignants. Et Paul leur fait comprendre ici que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez très bien. Et plus bas, il nous fait comprendre en réalité qu'il n'y a pas un autre évangile parce que ces personnes veulent renverser l'évangile de Christ. En réalité, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas trois évangiles, il n'y a que l'évangile de Christ, un seul évangile. Sauf qu'il y a plusieurs hommes qui se sont glissés, voilà, pour commencer à enseigner des doctrines qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Donc là, on va parler justement de cette séduction-là que Satan a amenée dans le jardin d'Éden en touchant Ève. Mais en touchant Ève, en manipulant la parole. Parce que mon frère Chris, on sait bien dans Genèse 3 que la séduction que Satan a amenée dans le jardin auprès de Ève, il est passé par la parole. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, il n'a pas dit non, Dieu n'a pas dit. Il n'a pas dit non, Dieu vous a raconté n'importe quoi, vous pouvez manger. Non, non, parce que si c'est que s'il vient comme ça, ce serait évident. Donc, il a pris quelque chose que Dieu a dit. Et la méthode que Satan a utilisée dans Genèse chapitre 3, on la retrouve dans Matthieu chapitre 4. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 4? Matthieu 4. Matthieu 4. On va lire à partir du premier verset, je crois. Matthieu chapitre 4. Pour retrouver cette même méthode que Satan a utilisée dans Genèse chapitre 3. Matthieu chapitre 4. Alors, on va lire à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le met sur le haut du temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit,
Il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc ici, on voit Satan par rapport aux fausses doctrines qui ne va pas inventer des doctrines en dehors des Écritures. Il se sert toujours de ce que Dieu a donné pour pouvoir singer Dieu et pouvoir déformer ce que Dieu a fait. Et on voit bien ici que Satan prend la parole de Dieu pour pouvoir tenter le Seigneur et pouvoir l'amener hors des Écritures. Donc ici, il a pris des passages bibliques et les a sortis de leur contexte pour vouloir amener le Seigneur à pécher contre sa propre parole. Et c'est grave, mon frère. Et on comprend par là que lorsqu'on parle de fausse doctrine, on parle d'une doctrine qui s'appuie sur les Écritures, sur la Bible, mais qui n'est pas donnée en accord avec les Écritures, avec la pensée de l'Esprit, telle que l'Esprit l'a donnée à l'origine. Et on réalise que beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui existent et qu'il y a une grosse séduction par rapport aux fausses doctrines aujourd'hui. Et ça fait partie des séductions que Satan utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pour détruire aujourd'hui les assemblées, pour détruire les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 11 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, Romains 10, 17. Si, Romains 10, 17, merci mon frère. Or, si ce que tu écoutes n'est pas fondé sur les Écritures, ta foi est biaisée. Ta foi est mal bâtie. Et tu peux avoir la foi en un homme, la foi en un matériel, la foi en toi-même. Pourquoi? Parce que si on t'enseigne de croire en toi, plutôt que de croire en Dieu, mais tu croiras plutôt en toi. Tu croiras que toute capacité vient de toi. Or, si on t'enseigne que la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien selon ce que Jésus a dit, on comprend alors que mais on ne peut pas compter sur nous-mêmes, en fait. Parce qu'il ne peut rien produire, rien venir de l'homme, il ne peut rien venir de bon. Rien de bon. La Bible nous fait comprendre dans Genèse chapitre 6, je crois, que le cœur de l'homme, chaque jour, se tournait uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux, nous dit les Écritures. Donc, en l'homme, il ne peut venir rien de bon. Il n'y a que Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui met en nous une capacité de faire des bonnes choses. Amen. Donc, dire à quelqu'un que tu peux par toi-même produire des bonnes choses, c'est dire à cette personne, compte sur toi, ne compte pas sur Dieu. Et on comprend que cette personne aura une foi bancale, en fait. Une foi qui va l'amener à ne pas dépendre de Dieu, mais à dépendre de lui-même. Et derrière ça, il y a une grosse, grosse, grosse séduction. Donc, on a lu dans 2 Corinthiens chapitre 11, là, que ben, il y a des personnes qui sont venues, qui ont apporté un autre évangile. Ils ont apporté un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Or, que prêche l'évangile de Christ? L'évangile de Christ nous parle de la mort, de la résurrection de Jésus. D'accord? Avant même d'abord, vraiment, qu'on aille vraiment par rapport à toucher les fausses doctrines, je voudrais qu'on prenne un passage dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, merci Seigneur. Vraiment, le Seigneur nous conduit. Amen. Il nous conduit. Vraiment, on n'a rien préparé, frère, à l'avance. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire à partir du verset 1. Oh, mes frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme. Donc là, on va voir les bases du véritable évangile. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. À moins que vous n'ayez cru en vain. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ce n'est pas une invention humaine. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il a été vu par Cephas. Cephas, c'est Pierre. Ensuite, par les 12. Depuis, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont plusieurs sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Depuis, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Car je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé plus que tous, toutefois non pas moi, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc on réalise que frère,
ce qu'on est en train de donner là, ce n'est pas nous. Amen. Parce qu'on n'a rien préparé. C'est l'Esprit qui nous communique et nous voulons rendre toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir. Alléluia. Verset 11 qui nous intéresse. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et vous l'avez cru ainsi. Et par la suite, il dénonce une doctrine déjà qui est là et qu'on va voir tout à l'heure. Ça fait partie des doctrines qu'on va dénoncer tout à l'heure. Voilà. Il nous fait comprendre les bases de l'évangile, que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nos péchés. Et plus loin, il nous parle de la résurrection pour faire comprendre qu'on a une réelle espérance. Et si Christ est mort, c'est pour que nous ayons part à cette espérance. Parce que Éphésiens chapitre 4 nous dit qu'il n'y a qu'une seule espérance. Ce n'est pas avoir le visa, ce n'est pas avoir le mariage, ce n'est pas avoir les maisons, ce n'est pas dominer sur la terre. C'est être avec Christ pour l'éternité. C'est ça notre espérance. Donc ici, d'entrée de jeu, on comprend qu'il n'y a qu'un seul évangile. On comprend qu'il n'y a qu'une seule véritable parole. Et toute l'écriture est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Donc tout évangile qui nous sort de la personne de Jésus-Christ est un évangile faux, est un évangile diabolique qui est tiré tout droit de l'enfer, inspiré par Satan pour détourner les hommes. Voilà. Donc, mon frère Chris, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais te laisser la parole. Ah, je bénis vraiment Dieu pour cette introduction parce que je crois que il y a eu beaucoup de vérités qui ont été dites. Et je vais revenir sur quelques réalités quand même que le frère parlait tout à l'heure. C'est que vraiment, en fait, le diable se sert de la parole, mais il la déforme. Et c'est vraiment ça. Vous voyez, dans l'épître de Jean là-bas, le Seigneur va dire « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Vous voyez ce passage-là, c'est le passage phare qui est pris par ces prédicateurs qui prêchent la prospérité. Vous voyez que ce passage, il ne respecte ni le contexte historique, n'est-ce pas? Il ne respecte non plus la pensée de l'auteur. Et ce passage est suffisant pour eux pour dire que Jésus est mort pour qu'on devienne riche, et ainsi de suite. Donc on comprend vraiment que Satan fait vraiment tout pour singer le Seigneur. Et pour être dans le même sens que mon frère, on va prendre quelques passages. On va déjà prendre un passage dans Galates, qui me venait pendant qu'il était en train de parler, et vraiment pour dire, comme il le disait tout à l'heure, que on n'a rien prévu, mais on compte sur la grâce du Seigneur. Galates chapitre 1, on va lire à partir du verset 6. Donc Galates chapitre 1, on va lire à partir du verset 6. Je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7, il va dire, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème ou qu'il soit maudit. Ici, c'est quand même fort. Prenez le même sens que mon frère tout à l'heure. Donc, on peut remonter au verset 6 d'abord. Donc, Paul dit, je m'étonne que vous vous détournez si facilement de l'évangile véritable. Donc, du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pour passer à un autre évangile. Donc on comprend ici que c'est vrai qu'il y a un seul évangile biblique et véritable, mais on apprend que à côté de cet évangile biblique et véritable, n'est-ce pas, il y a d'autres évangiles que les hommes fabriquent. Au fait, les hommes inventent. Il y a un seul évangile. C'est comme le frère l'a dit tout à l'heure. C'est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. L'évangile biblique, l'évangile véritable est basé sur la parole de Christ. Verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc on comprend ici, mon frère, que le but des fausses doctrines, c'est de renverser l'évangile véritable. Amen. Et c'est ce qu'ils font. Donc au lieu de prêcher un évangile céleste, on prêche un évangile complètement terrestre, diabolique et charnel. Mais Paul va dire quelque chose de plus fort. Il va dire, mais si nous-mêmes, donc il dit, même si moi-même Paul, ou si un ange descend du ciel, c'est quand même fort ici, frère. Donc, pour le fait, je vais montrer que la parole de Dieu ne change pas. Paul
nous apprend que la parole de Dieu ne peut pas bouger, peu importe la révélation qu'on peut à nouveau avoir, la parole de Dieu est la vérité. Donc il dit, mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc ici on peut comprendre que Satan peut passer par des anges qui, par des anges célestes, donc des anges du ciel, on peut comprendre ici les anges qui reviennent du trône de Satan, qui sont au deuxième ciel. Les anges déchus. Les anges déchus. On peut comprendre ici que Paul veut nous amener à comprendre qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, se baser sur un songe ou une vision ou sur un fait pour parler une doctrine. On va parler par exemple du branhamisme. C'est une doctrine, c'est une religion. Voilà. Et pour eux, l'inspiration au-dessus des Écritures. Pour les branhamistes, c'est ça. L'inspiration au-dessus des Écritures. Mais si Paul nous donne une base, si moi-même Paul, si un ange descend du ciel, il vous prêche un autre évangile que celui qui est biblique, qu'il soit maudit. Et vous allez voir que chaque religion pratique des doctrines ou ont des pratiques qui sont anti-bibliques. Parlons du catholicisme. Mon frère, on tombe une fois comme ça là sur les précis, les fausses doctrines. Parlons du catholicisme. On nous parle de l'Immaculée Conception. Donc l'Immaculée Conception c'est quoi? C'est que Marie était vierge, elle avait des enfants, n'est-ce pas? Mais qu'elle est demeurée vierge. C'est complètement diabolique. Parlons, n'est-ce pas, du baptême. On asperge de l'eau sur les enfants et on dit que c'est le baptême. Alors que le baptême biblique, c'est baptême par immersion, baptiso. Donc on comprend, on va décortiquer toutes les fausses doctrines et on va voir ce que la Bible nous enseigne. Parce que toutes ces doctrines, n'est-ce pas, ont pour but, comme on l'a vu, de renverser l'évangile de Christ. Et c'est ce qui est vraiment dangereux. Lorsqu'on rencontre le catholicisme, vous avez les messes de Requiem. Donc quelqu'un est décédé, on vient prier pour les morts pour que Dieu pardonne cette personne et pour que son âme parte au ciel. Alors que dans Hébreux 9, 27, la Bible dit qu'après la mort, c'est le jugement. Donc c'est pour qu'on est sur terre qu'on doit régler nos vies avec Dieu. Mais le catholicisme, qui est une religion complètement diabolique, avec des doctrines et dogmes complètement diaboliques, nous apprend à prier pour les morts. Mon frère, dans le catholicisme encore, on a ce qu'ils appellent la communion, la sainte communion, la sainte cène, complètement diabolique. C'est le bout du pain avec un peu de vin, tout ça là. Alors qu'on comprend que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ils disent que ça se transforme. Alors que dans les Écritures, on a vu que le Seigneur instituait le repas du Seigneur durant la Pâque. Donc il prenait un vrai repas. Donc comme Christ est notre Pâque, il a été immolé en fait pour la Pâque, n'est-ce pas? Mais on peut le prendre autour d'un agape, d'un repas fraternel, pour respecter le contexte biblique du repas. On a tellement de doctrines qui s'éloignent de la vérité. Dans le catholicisme encore, n'est-ce pas? On a les sacrements. On a la confirmation. Aucun support biblique. La confession. La confession chez les prêtres. Aucun support biblique, mon frère, c'est fort. On est là vraiment, la solution de ma propre doctrine, on ne peut rien faire d'autre que démontrer par les Écritures que toutes ces doctrines-là des différentes religions sont fausses. Pas que nous sommes les meilleurs, mon frère, mais nous-mêmes, on veut rester biblique. Parce que Paul ici nous apprend que même si un autre descend du ciel vient dire que Jésus n'est pas Dieu, qu'il soit maudit. Vous savez que le support par excellence est la parole de Dieu. Ce n'est pas le songe, ce n'est pas la vision d'un homme sur laquelle on doit baser nos foi chrétienne. Ce n'est pas, n'est-ce pas, l'expérience de quelqu'un. C'est la parole de Christ. On ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Mais dans les fausses doctrines, mon frère, qu'est-ce qui se passe? On ajoute et on retranche. Vous avez une religion, n'est-ce pas, comme l'adventisme du septième jour. Ça aussi, il faut dénoncer, mon frère. Le sabbat. Alors que dans Matthieu, n'est-ce pas, 11, 28, il dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Donc, ils ne nous parlent du sabbat. Donc, notre repos se trouve maintenant en Jésus. On ne peut plus le pratiquer comme étant une fête, comme un jour observable. Parce que Christ est notre sabbat. Donc, il y a tellement de doctrines, telles que l'évangile de la prospérité, mon frère. Cela, c'est une doctrine qui vient toujours de l'enfer, c'est un évangile terrestre.
On dit de venir à Jésus. Et dans cette doctrine, moi, pour ça qui touche, ce qui a fait un prédicateur qui dit que les pauvres iront en enfer. Wow. On dit que les pauvres iront en enfer. Donc, je comprends encore un passage, mon frère, s'il te plaît. On y va. On est dans Timothée. 1 Timothée chapitre 6. Donc, quand on dit de parler de la séduction, 1 Timothée 4, autant pour m'excuser, les frères, 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. Donc, on parle de la séduction par rapport aux fausses doctrines. Et le frère a posé les bases que l'évangile véritable est bâti sur la personne de Jésus. Cet évangile est bâti sur la résurrection des morts. Cet évangile est bâti sur le royaume, sur la crainte de Dieu, sur la sainteté. Mais on comprend, n'est-ce pas, que à côté de cet évangile véritable, il y a des hommes qui viennent, n'est-ce pas, enseigner notre évangile dans le but de renverser l'évangile de Jésus. Et frère, s'il faut se baser sur l'évangile de la résurrection des morts, on comprend que cet évangile de messe de Requiem est complètement anti-biblique. Et complètement anti-biblique. On nous parle du purgatoire. Donc, c'est un lieu provisoire là où, n'est-ce pas, on va après notre mort et puis on prie pour nous pour qu'on soit sauvé. C'est complètement diabolique. 1 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset. Et en gros, on veut nous dire que c'est ceux qui ont l'argent qui seront sauvés. Et en gros, on veut nous dire que ce sont ceux qui ont l'argent qui seront sauvés. Mais alors qu'on est tous d'accord, mon frère, que les plus riches du monde, ce sont des païens. Donc, ils peuvent payer. On veut dire, par exemple, un homme très riche qui a beaucoup de milliards peut laisser 2 milliards pour les messes de Requiem chaque jour. Je pense qu'au lieu qu'il fasse 100 ans au purgatoire ou 50 ou 5 ans, au bout de 2-3 minutes, au bout de 2-3 jours, il prend toutes les assemblées catholiques, on fait une messe de Requiem pour lui partout dans le monde. Il est sauvé. On prie et pour lui, il est sauvé, hein, voilà. Après avoir tué, détruit des gens. Voilà. Alors qu'on nous apprend qu'on est sauvé par la foi, dans Éphésiens 2:8, on est sauvé par la foi, n'est-ce pas, par le moyen de la rédemption en Jésus. On apprend que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc 1 Timothée 4, à partir du premier verset, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. Donc mon frère, déjà ici, quand on lit ce passage, on comprend que derrière chaque fausse doctrine, il y a un esprit de tromperie. Il y a les doctrines des démons. Donc on comprend que derrière chaque fausse doctrine, il y a un démon. Donc on comprend, frère, que les fausses doctrines sont inspirées par les démons. Verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc on comprend aussi que les fausses doctrines, là, n'est-ce pas, sont enseignées par des faux docteurs qui sont hypocrites. Pourquoi hypocrites? Parce qu'ils connaissent la vérité, ils font semblant, ils la cachent, ils enseignent l'erreur au peuple de Dieu. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Donc leur conscience est marquée par la marque de la bête, pour faire simple. Empêchons de se marier et ordonnons de s'abstenir des viandes que Dieu a créées, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Donc on apprend ici, on peut remonter au premier verset, que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns se détourneront de la sainte doctrine, de la foi véritable pour s'attacher à des esprits d'abord trompeurs, mais aussi à des doctrines des démons. Donc on comprend, n'est-ce pas, que le mobile sur lequel ça appuie ces fausses doctrines, c'est les démons. C'est les esprits trompeurs. Ils ne sont pas d'esprits trompeurs, c'est que le but de ces fausses doctrines, c'est de nous tromper. C'est de nous égarer, c'est de nous séduire. C'est de nous sortir du droit chemin. Donc, frère, on a besoin d'être bâti sur la parole véritable. Voici pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de dérives dans nos assemblées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un homme peut sortir un songe. J'ai eu un songe. J'ai une révélation. Tu es mon mari, tu es ma femme. C'est une doctrine maintenant aujourd'hui qui est pratiquée. C'est un évangile qui est prêché, qui est pratiqué dans nos assemblées. Alors que lorsqu'on voit le mariage public, ça n'a rien à voir avec les songes et les visions. Ça y va d'abord avec le fait d'appartenir, n'est-ce pas, au même Père, donc d'être enfant de Dieu. Ça y va avec le fait, n'est-ce pas, de craindre Dieu et de s'aimer. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées, qu'est-ce qui se passe? C'est les pasteurs qui marient les fidèles. Est-ce qu'on a vu Jésus marier, n'est-ce pas, ses disciples? Est-ce qu'on a vu Paul, Pierre, Jacques et Jean marier, n'est-ce pas, les fidèles? On comprend que cette doctrine, cet évangile est diabolique. N'est-ce pas? Il y a tellement de pratiques dans nos assemblées, telles qu'invoquer le feu et se recouvrir du sang de Jésus. C'est des doctrines complètement diaboliques, le combat spirituel. Mon frère, je ne sais pas si tu as des doctrines que tu veux casser. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Tel qu'invoquer le sang de Jésus. Donc on se baigne dans le sang de Jésus, on se trompe dans le sang de Jésus. Où est-il écrit cela dans la parole de Dieu?
La doctrine du sel. La doctrine du? Du sel. Du sel. Ils utilisaient le sel. Ils utilisent le sel pour la purification. Ah! La doctrine de boire de l'eau. Des hommes qui prient pour de l'eau et qui vendent de l'eau. Voilà. Voilà. La doctrine d'amener les huiles d'Israël. Le pèlerinage en Israël. En Israël. Se refaire baptiser dans le Jourdain. Voilà. Alors que la Bible nous a dit que l'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem, ah, mon frère, ni sur les montagnes que vous adorez. Le Père. Que vous adorez le Père. Car Dieu est esprit. Il faut, et que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. En vérité. Car Dieu cherche des véritables adorateurs. Mm. Et quand moi je lis ma Bible dans Apocalypse, Apocalypse me dit que Jérusalem est considéré comme étant Sodome. Donc ceux qui vont à Jérusalem, ils vont à Sodome. Bien sûr. Merci mon frère. Et on voit qu'il y a tellement de pratiques dont nous assemblons aujourd'hui qui n'ont rien à y voir avec la parole de Dieu. On l'a vu, invoquer le feu, invoquer le sang. Donc, l'évangile du combat spirituel. Donc, la vie des chrétiens est maintenant basée sur le combat spirituel. On passe matin, midi et soir, chasser les démons. Il y a un rat qui passe, le feu. Il y a une souris qui passe, le feu. Alors que Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. J'ai envie comme ça de prendre encore un passage, mon frère. On est dans un Jean qui vient de me venir à l'esprit. On est dans 1 Jean chapitre 4, s'il vous plaît, les frères. 1 Jean chapitre 4 à partir du premier verset. Et aujourd'hui, frère, pour qu'on tombe dans l'apostasie par rapport aux fausses doctrines, dans la séduction, c'est parce qu'on ne lit plus nos Bibles. 1 Jean 4 à partir du premier verset dit, « Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » N'est-ce pas, frère? Si on dit qu'on doit éprouver les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, ils sont venus nous enseigner qu'on doit éprouver les enseignements qu'on reçoit à l'aliment des Écritures. Ils doivent éprouver les esprits. C'est éprouver les prophéties qu'on reçoit, c'est éprouver les enseignements qu'on reçoit à l'aliment des Écritures. Verset 2. À ceci, vous connaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, on apprend ici, n'est-ce pas, que derrière les fausses doctrines, il y a l'esprit de l'Antichrist. Mais il dit, n'ajoutez pas foi. Premier verset, on peut remonter. Il n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais on dit, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un se réclame d'être de Christ, on l'appelle homme de Dieu. On lui fait la courbette. Et il y a tellement aujourd'hui de pratiques dans nos assemblées. On peut remonter au premier verset, s'il vous plaît, frère. Comme il y a tellement de pratiques comme la pratique de la dîme, qui est biblique, mais qui n'est plus d'actualité. On arrive plus à discerner les temps dans lesquels nous sommes. On arrive plus à savoir qu'on n'est plus sous l'ère de la grâce, sous l'ère de l'ère mosaïque, on est sous l'ère de la grâce. Mais bien aimé, ne croyez pas à tout esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? On croit à tout esprit. Il y a l'offrande du prophète, l'offrande du pasteur. Donc, dans nos assemblées, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des corbeilles devant. Comme papa presse, lorsqu'on est touché, on va mettre l'argent dans la corbeille. C'est complètement diabolique. Pour sceller la parole. Pour sceller la parole. C'est écrit dans quelle Bible? Que pour sceller la parole, il faut donner l'argent à l'individu. C'est pourquoi aujourd'hui nous assommons à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les délivrances, les cures d'âme. Donc, pour faire la délivrance à un chrétien, on lui fait la cure d'âme. Et la cure d'âme, c'est quoi? On te fait la liste de ta généalogie depuis tes ancêtres pour voir tous ceux qui te lient. C'est écrit dans quelle Bible, mon frère? On voit que Jésus chassait les démons au nom de Jésus. Et nous-mêmes, on le vit par la grâce de Dieu. Pas besoin de faire des cures d'âme pour chasser les démons. On a reçu le pouvoir et l'autorité de le faire au nom de Jésus. Amen. Donc, frère, il y a autant de fausses doctrines. On a vu que le but, c'est de renverser la foi des chrétiens. Le but, n'est-ce pas, c'est de détourner les gens de l'évangile véritable. Donc, ici, on apprend qu'on doit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi les chrétiens sont autant séduits? Parce qu'ils n'éprouvent plus les esprits des Écritures. Parce que pour éprouver les esprits, on a besoin de la parole de Christ. Mais si on ne médite pas chez nous, mais si on n'a pas une relation avec Dieu, c'est normal qu'on se fasse arnaquer par ces faux pasteurs et ces faux serviteurs de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui, pour faire les délivrances, qu'est-ce qu'ils font? Ils couchent avec les femmes. Aujourd'hui, pour faire les délivrances, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont laver les femmes dans les baignoires. Ils sucent les tétons des femmes, c'est pas sur l'évangile, sur la parole de Dieu, mais ils déforment les Écritures. C'est la séduction par rapport aux fausses doctrines. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils aveuglent le peuple de Dieu. Ils nous renvoient sur la loi mosaïque.
Alors que Jésus est venu accomplir la loi, mon frère. C'est clair. Non, c'est vraiment dommage qu'il y ait toutes ces, choses-là, comme on le disait. Il y a tellement de doctrines, Alors, je voudrais qu'on prenne quelques exemples parce que, en réalité, ce qu'on constate, les doctrines qui dominent beaucoup, en dehors de, du catholicisme, mais dans les assemblées dites de réveil, d'accord, c'est les doctrines qui sont en rapport avec la loi. Et on va avoir un peu les conséquences un peu de ces doctrines-là. Alors, on va, je voudrais qu'on prenne Colossiens chapitre 2. On va prendre Colossiens chapitre 2 à partir du premier verset. Colossiens chapitre 2. Voilà, merci l'équipe. Or, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que j'ai pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour la connaissance précise et correcte du mystère de notre Dieu et Père et de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Verset 4. Or, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car bien que je sois absent de corps, toutefois je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en Christ. Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui, et affermi dans la foi, tel que vous l'avez, tel qu'on vous l'a enseigné, en abondant avec elle, avec action de grâce. Je tiens à rappeler, quand on dit tel qu'on vous l'a enseigné, ce n'est pas tel que le pasteur l'a enseigné. C'est tel que la Bible l'a enseigné. Voilà, parce que quelqu'un va dire, mais moi c'est comme ça qu'on me l'a enseigné, c'est pourquoi je le pratique. Est-ce que ce qu'on t'a enseigné est en accord avec les Écritures? Point d'interrogation. Si ce n'est pas le cas, il faut rejeter. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie et par des vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Donc, voilà les appâts, mon frère. Et on va partir de là, par la grâce de Dieu. On va voir un peu ces catégories-là, des éléments, et on va commencer à voir. On dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Alors, c'est quoi la philosophie? Alors, la philosophie nous parle de l'amour, de la sagesse. Mais ça reste diabolique. La sagesse, et la Bible nous parle de deux sagesses. La sagesse de Dieu et la sagesse du monde qui, elle est diabolique et charnelle. Et terrestre. Et terrestre. Donc, on comprend que ben, ces hommes-là, d'accord, ces prédicateurs, prêchent une sagesse. Ces hommes prêchent une sagesse, une philosophie. Alors, c'est quoi cette philosophie? Cette philosophie, c'est par exemple, comme on le disait, croire en soi. D'accord? Croire en soi, ben c'est une philosophie, c'est une sagesse. On fait comprendre aux gens, il y a par exemple une vidéo, je ne vais pas citer le terme, le nom, parce que je n'ai pas envie que les gens aillent regarder ça, ça peut... Il y a une vidéo qui dit, parce que je l'ai regardée à l'époque, moi, quand j'étais dans ces assemblées aussi, je croyais en cela, qui dit, tu peux te concentrer, d'accord, et tu peux visualiser, ils appellent ça visualiser, et croire au-dedans de toi, et ce que tu vas croire va se réaliser. C'est-à-dire, si tu veux croire que tu seras un directeur, mon frère, il te suffit de croire tous les jours et de te projeter dans l'esprit pour que tu deviennes directeur. Sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est la philosophie. D'accord? C'est une philosophie, c'est un mode de pensée. Et c'est ce qu'on appelle la pensée positive. C'est un courant de pensée philosophique qui s'est mis en place et qui s'appuie aussi sur la physique quantique, d'accord, pour démontrer à l'homme que par la pensée, on peut amener à l'existence des choses. Et ils font comprendre que la foi, dont on parle dans Hébreux 11, justement, par la science, par la pensée, on peut amener la foi à l'existence. Ça, c'est diabolique. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Voilà. Et ça, on comprend que ces choses-là, à l'origine, sont la source, sont données par Satan. Bien sûr. Frère, est-ce qu'on peut revenir vraiment sur le passage, là, la philosophie? On va d'abord brosser comme ça, et je crois que Dieu va nous amener. Amen. On nous parle de la philosophie. On nous parle pas des vaines tromperies. Ben, les vaines tromperies, il y a beaucoup de choses. Les vaines tromperies, ok. Amenez vos Isaacs. Apportez vos Isaacs, Dieu va vous bénir. Et cette histoire, c'est l'histoire dans une assemblée. Quelqu'un qui a organisé, un prédicateur qui a organisé un enseignement, des temps d'enseignement, et qui disait aux chrétiens, il y aura une soirée de bénédiction, vous allez amener vos Isaacs.
et vous serez bénis. Donc, ils ont dit aux chrétiens que les Isaacs, ça devait être quelque chose qui devait leur coûter cher. Il y en a qui ont acheté des congélateurs, des frigos, qui ont amené des enveloppes d'argent. Ils ont amené et ils ont donné à leur pasteur. Et parmi les personnes, les fidèles qui étaient dans cette assemblée, les chrétiens, il y a un qui a invité un de ses amis. Et l'ami lui a dit à la fin, mais c'est bizarre, moi quand je lis dans la Bible, un inconverti, il dit, j'ai vu qu'Abraham est reparti avec Isaac. Amen. Mais pourquoi vous êtes venus avec vos Isaacs et vos Isaacs sont restés? Alors que bibliquement, Abraham est reparti avec Isaac et Dieu s'est pourvu lui-même. Parce qu'Isaac dit quoi au père, à son père? Il dit, père, il y a le feu. Il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Abraham dit à son fils, mon fils, Dieu se pourvoira. Et Dieu a pourvu. Et ici, on voit que ces hommes utilisent des tromperies. Ils utilisent beaucoup de tromperies, beaucoup de signes trompeurs pour pouvoir détourner les enfants de Dieu. Et Paul nous fait comprendre que ces ouvriers-là, ces hommes-là, se transforment en anges. Que Satan se transforme en ange de lumière. Et ce n'est pas en vain que ces ouvriers aussi se transforment eux aussi en anges de lumière. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour des véritables hommes de Dieu. Ils utilisent quoi? Des ruses. Et on va le voir dans 2 Thessaloniciens. Mm-hmm. On va le voir dans 2 Thessaloniciens par rapport aux tromperies. Et on nous parle aussi des traditions des humains, des traditions d'hommes. Et là, on l'a vu dans le catholicisme. Beaucoup de traditions. Parce que le catholicisme, c'est quoi? C'est beaucoup de traditions que les pères catholiques ont laissées. Mm. Exemple, la canonisation. La canonisation, c'est quoi? C'est déclarer que quelqu'un est saint. Mm. Voilà. Par exemple, Mère Thérèse a été canonisée, je crois. Mm. On l'a déclarée sainte. Voilà. Beaucoup de papes sont canonisés. Et quand on regarde l'histoire des papes, il n'y a pas de pape noir. Il n'y a pas de pape africain. Il n'y a pas de pape arabe. Il n'y a que des papes européens. Pourquoi? Est-ce que l'évangile vient de l'Europe? Ah, la Bible nous dit que le salut vient des juifs. Le salut vient des juifs. Et on nous dit aussi que l'un des moyens des fausses doctrines, c'est les rudiments du monde. Les rudiments du monde. Et voilà. Donc on est dans Colossiens chapitre 2. Et on va aller plus loin. On va descendre. On va aller à partir verset 16. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger du bois. Et là, on va toucher nos amis de... les gens des Adventistes, qui parlent du sabbat, par exemple, et qui disent qu'il ne faut pas manger certains aliments, notamment des poissons, qui n'ont pas des écailles, comme le mâchoiron, comme le silure. La loi, en fait. Voilà. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, de nouvelle lune, ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Que personne ne vous enlève. Verset 18, frère, verset 18. On peut griser le verset 18 pour aider les personnes qui suivent. Que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course sous l'apparence d'humilité d'esprit par un culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, étant téméraireusement enflé par ses pensées charnelles, sans s'attacher à la tête, dont tout le corps étant joint et ajusté ensemble par des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Verset 20 d'abord. Si donc vous êtes mort avec Christ, quant au rudiment du monde, pourquoi vous impose-t-on ces ordonnances comme si vous viviez dans le monde? À savoir, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes ces choses sont périssables par l'usage qu'on en fait. Il s'agit des commandements et des doctrines des humains. Qui ont, il est vrai, un renom de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en effet aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Oh non, moi j'ai fait mes cultes les samedis, si je respecte le samedi, c'est que Dieu est avec moi. Ça c'est la chair. La satisfaction de l'homme. Je ne mange pas un poisson, donc Dieu est avec moi. La Bible nous dit, si nous mangeons d'un aliment, ça ne nous rapproche pas de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, ça ne nous éloigne pas. Romains chapitre 14 nous en parle. Un aliment ne nous rapproche pas de Dieu. 1 Corinthiens 8 aussi nous en parle. Pourquoi on voit asservir les enfants de Dieu avec une doctrine de la nourriture? Pourquoi asservir les enfants de Dieu avec des doctrines concernant le sabbat? C'est purement diabolique. C'est purement diabolique. Donc ici, on voit comment
des exemples de doctrine tirés de la loi pour vouloir servir les enfants de Dieu. Le sabbat, les aliments. Il y a même des doctrines qui disent que ceux qui se rasent, ceux qui coiffent leur barbe, iront en enfer. Ça, c'est diabolique, ce genre de doctrine. Parce qu'ils ont lu dans la loi qu'il ne faut pas se raser les coins de la barbe. Mais c'est très quoi, les coins de la barbe? Même si c'était encore d'actualité, même si c'était vraiment tel que c'est fait aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes encore sous la loi? Non. Mais ces mêmes hommes oublient que la loi disait qu'on ne devait pas dormir avec une femme qui avait les menstrues. Ces hommes dorment avec leurs femmes. Alors que leurs femmes sont en période de menstrues. Ils sont complètement contredisants. On voit que ces hommes sont contredisants. Ils se contredisent eux-mêmes. On voit qu'à l'époque de la loi, quand on avait péché, il fallait offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Ces hommes ne le font pas. Pourquoi aujourd'hui vouloir s'attacher? Mais parce que simplement c'est pour la satisfaction de leur chair. Parce que peut-être que ces hommes ne trouvent aucun plaisir à manger le mâchoiron, ne trouvent aucun plaisir à manger le silure, ne trouvent aucun plaisir à avoir des réunions le dimanche et que le samedi, ils trouvent un plaisir à avoir leur réunion. Ils sont libres. Voilà. Une assemblée peut décider de faire ses réunions le samedi, il n'y a pas de problème. Mais pas l'imposer aux hommes en disant que c'est ça le jour du Seigneur. Déjà, il n'y a plus de jour du Seigneur. Tous les jours sont les jours du Seigneur. Luc, je crois, chapitre 1 nous en parle. Luc 1 nous en parle, je crois. Luc 1, 67 doit nous en parler. Voyez. Et c'est vraiment important. Une autre doctrine, on va prendre Galates toujours. Galates. Galates chapitre 2. Je ne sais pas si celle-là, on la retrouve encore ici, mais c'est juste un exemple de doctrine. Hein. Galates chapitre 2, on va lire à partir du verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi avec moi Tite. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. La révélation, c'était pour monter, pas pour enseigner. Donc ici, on voit que quelqu'un peut recevoir un éclairage du Seigneur, que va là-bas, fais ci, fais ça, prêche l'évangile là-bas, prêche l'évangile là-bas. Mais ce n'est pas un enseignement. Donc il est monté parce que Dieu lui a demandé de monter. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Et même on n'obligea pas Tite, qui était avec moi, de se faire circoncire, quoiqu'il fût grec. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés dans l'église pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ afin de nous réduire en esclavage, frère. Donc les fausses doctrines ont pour objectif d'amener les véritables enfants de Dieu en esclavage, en fait. Et c'est pourquoi le Seigneur nous amène à dénoncer ces choses, pour que ces enfants soient véritablement libérés et réveillés. Que ces enfants soient éclairés et qu'ils sortent, justement, parce qu'on sait que, comme on l'a vu quand on a parlé dans la première partie par rapport à la séduction, par rapport au péché, on a vu que la séduction, en fait, donne un voile, en fait, ça aveugle. Et cet assujettissement-là passe par l'aveuglement. Donc, si on peut revenir sur le passage, frère, merci. Et on dit à ces gens-là, nous n'avons pas cédé un seul instant. Donc, on comprend qu'il y a des gens qui voulaient amener la doctrine en rapport avec la loi, par rapport à la circoncision. Et il y a certainement des assemblées qui doivent encore demander aux gens de se faire circoncire pour être sauvés. Ici, si vous lisez la suite et vous lisez Actes chapitre 15, vous allez comprendre justement que la résolution qui va être prise selon les Écritures, c'est de montrer que justement, la loi, acte 15, il faut qu'on le lise, c'est important. D'accord? La loi. La loi, alors. Alors, on va voir au verset 10, acte 15. On va lire à partir du verset 6. Acte 15 à partir du verset 6. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc l'affaire dont on parle par rapport à la circoncision. Et après une grande discussion, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que depuis longtemps, Dieu m'a choisi parmi nous, afin que par ma bouche, les gens des nations entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit de même qu'à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug, c'est-à-dire un fardeau, parce qu'un joug c'est un fardeau, que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter.
mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur, comme eux aussi. Alors, on va descendre plus loin. Alors, on va aller... On descend. OK. On va prendre la partie... on remonte légèrement à partir du verset, je crois... Voilà, à partir du verset 18. À partir du verset 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des nations qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles et des relations sexuelles illicites, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens avec toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, homme considéré. Voilà, et vous pourrez lire la suite, que la conclusion c'était qu'on ne devait pas imposer aux hommes la loi. Donc imposer aux gens le sabbat et toutes ces choses en rapport avec la loi, les offrandes des prophètes, les offrandes d'action de grâce, les offrandes de purification et toutes ces choses, c'était purement diabolique. Ce n'est plus d'actualité. L'offrande du prophète et toutes ces choses, c'est complètement diabolique. Il faut qu'on dénonce ces choses avec la plus grande énergie et on encourage tous les véritables enfants de Dieu à interpeller tous les autres chrétiens qui vivent autour d'eux à faire attention vraiment à cette doctrine-là, mon frère Christ. Amen. Donc, je ne sais pas si tu veux continuer par rapport à ce que Dieu te met à cœur. Non, je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qui a été dit. Et je crois que le but, c'est vraiment de réveiller les chrétiens parce que Satan travaille beaucoup par les fausses doctrines. Et on peut voir qu'il y a des gens qui ont bien commencé dans la foi, mais qui sont détournés à cause de ces faux enseignements, à cause de ces fausses doctrines. Que Dieu vraiment nous aide à demeurer sur sa parole, à garder sa parole. Je vais juste prendre un ou deux passages et puis pour dans le même sens. On est dans 2 Thessaloniciens. On est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. À partir du verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. L'avènement du fait impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc le point que j'ai envie de souligner ici, verset 11 aussi on peut le lire, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc on apprend ici que Satan aussi séduit par les faux enseignements, par les faux miracles, n'est-ce pas, des personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. On peut remonter, s'il vous plaît, verset 10. Donc, avec la séduction de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, on voit aussi que Satan, n'est-ce pas, travaille à partir des motivations et des désirs de nos cœurs. Si on est prédisposé au mal, si on est prédisposé au mensonge, Satan ne pourra que nous atteindre. Vous voyez? C'est pourquoi, en fait, en tant que chrétien, on doit avoir l'amour de la vérité. Ce qui tue notre christianisme aujourd'hui, ce qui tue nos assemblées, c'est parce qu'on a perdu l'amour de la vérité. On n'aime plus qu'on nous dise la vérité et on n'aime plus dire la vérité à nos prochains. C'est pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, avec tout ce qui est dénoncé, tout ce qui est dit, ceux qui écouteront ou ceux qui écoutent, n'est-ce pas, nous voient peut-être comme des adversaires. Alors que notre but est d'éclairer les enfants de Dieu par rapport à l'évangile véritable. On n'est pas là pour condamner X ou Y. On veut simplement nous éclairer par rapport à ce qui se fait. Parce que justement, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Un fait qui est grave. Il y a beaucoup de gens qui sont frappés seulement de l'esprit, de cet esprit d'égarement. Parce qu'ils aiment tellement le mensonge. Et même lorsqu'on vient leur dire que voici la vérité, ils n'arrivent plus à croire à la vérité parce que leur cœur prend tellement plaisir au mensonge. Donc c'est vraiment ce passage que j'ai voulu prendre, pour nous amener à comprendre que Satan, pourquoi il nous égare par rapport aux fausses doctrines, parce qu'il m'a donné au cœur, il y a l'amour du mensonge. Il n'y a pas l'amour de la vérité parce qu'il y a des choses qui sont des évidences. Je ne comprends comment une femme qui est mariée, par exemple, une mère de famille, peut écouter un pasteur qui va lui dire que si tu veux enfanter, il faut que tu sortes avec moi. Elle doit aussi comprendre que la parole de Dieu condamne l'adultère.
C'est simple, la parole de Dieu est aussi simple. Donc on voit que dans nos cœurs, il y a là tellement l'amour du mensonge que Dieu nous envoie une puissance de garde pour croire justement à ces mensonges. Que Dieu vraiment nous revoie. Je vois qu'on a vraiment décortiqué toutes ces fausses doctrines, les coutumes, les traditions, justement les coutumes et les traditions sont rentrées dans l'église. Les traditions des hommes. Il y a tellement de rudiments, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on fait qui n'ont pas de sujet. Il y a tellement de choses qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a pas de support biblique. Revenons à la parole. Le retour à la parole, c'est le retour vraiment aux Écritures. Que Dieu nous aide à revenir à sa parole. Que Dieu nous aide à revenir à la vérité de l'Évangile. Car la Bible nous enseigne que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. C'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est la vérité qui libère. Et la Bible nous encourage à ne pas prendre part aux yeux des ténèbres, mais plutôt les condamner. Donc on ne peut pas, n'est-ce pas, voir ces fausses doctrines être enseignées et rester indifférent. Pour terminer, je souhaiterais prendre un passage dans 2 Pierre. Vous comprenez, dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset. Bon, pas pour terminer, pour voilà, pour poursuivre. 2 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset. Que Dieu vraiment nous aide, frère. À partir du premier verset. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs. Qui introduiront secrètement des sectes de perdition et réniant le Seigneur qui les a achetés, attirant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup les suivront dans leur perdition, à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins de paroles trompeuses, mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ces hommes trafiquent là. Ils trafiquent la parole de Dieu. Ils trafiquent l'évangile. Ils la tournent, ils la changent, ils la modifient complètement. Et Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10 là-bas, 11, 12 là-bas, que nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Donc ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils falsifient la parole de Dieu, donc ils la changent, ils la tournent, n'est-ce pas? On dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Donc ils enseignent des choses qui leur arrangent. N'est-ce pas? Ici, on apprend que, de la même manière qu'il y avait des faux prophètes à l'époque, Paul et Pierre nous enseignent qu'il y aura parmi nous des faux docteurs. Donc, on sait que les docteurs, c'est des personnes qui enseignent la parole, c'est des enseignants de la parole. Donc, ils nous apprennent que dans les derniers temps ici, il y a des gens qui vont complètement trafiquer l'évangile et ce qu'on vit chaque jour. On dit par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins de paroles trompeuses. C'est ce qu'ils font. Le moteur de ces faux pasteurs, c'est la cupidité. C'est l'amour de l'argent. Ils inventent tellement de pratiques pour s'enrichir. Et aujourd'hui, devenir pasteur, devenir serviteur de Dieu, c'est devenir un business. Lorsqu'on a raté sa vie, qu'on n'a plus rien à faire, on se dit, on monte une assemblée. Lorsqu'on a commencé, on marche en babouche, en jean, et 5 ans plus tard, on route dans un gros 4x4, on a des grosses maisons. C'est ça le but, c'est ça leur moteur. C'est pas d'aider le peuple de Dieu. Et on dit que ce sont des aveugles, justement, qui conduisent aussi d'autres aveugles. Donc que Dieu nous aide à revenir à la parole véritable, à revenir à la sainteté de Dieu, à la sainte doctrine. Parce qu'il y a tellement de fausses doctrines et leur but, le but de ces fausses doctrines, n'est-ce pas, c'est de nous égarer, de nous éloigner de la vérité. Et n'oublions pas que derrière ces fausses doctrines, il y a le diable, il y a Satan. Je ne sais pas, frère, si tu as quelque chose encore dit par rapport à ces fausses doctrines. Je pense qu'en tout cas, on a fait le tour. Oui. On va simplement prendre quelques passages pour conclure le partage par rapport à la séduction sur les fausses doctrines. Hein. Donc, je voudrais prendre Romains chapitre 16, à partir du verset 17. Romains 16, à partir du verset 17. Romains 16, à partir du verset 17. Je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Éloignez-vous d'eux. Car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par des douces paroles et des flatteries, ils trompent les cœurs des simples. Amen. Voilà un peu ce que la Bible nous dit. Je voulais qu'on prenne un deuxième passage dans 2 Jean. 2 Jean.
2 Jean 1 à partir du verset 7. Que Dieu vraiment nous aide à garder sa parole, que Dieu nous aide à demeurer dans la vérité, dans l'évangile véritable. 2 Jean 1 à partir du verset 7. Merci l'équipe. Car beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde, ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est trompeur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit du travail que vous avez fait, mais que vous en receviez une pleine récompense. Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure pas fidèle n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. C'est vraiment, c'est fort, hein, c'est fort. Profond. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui enseigne les fausses doctrines n'a pas Dieu, en fait, il n'y a pas Dieu dans sa vie. Vous voyez, quelqu'un qui enseigne la doctrine pour dire que si quelqu'un ne paye pas la dîme, il sera maudit, qui maudit les gens. Quelqu'un qui enseigne encore que par rapport à la dîme, bon, on essaie quand même de mettre l'équilibre si on voit que la personne craint le Seigneur, parce que ça peut être un héritage qu'il a reçu aussi quand il est né dans la foi. Mais il y a des gens qu'on voit clairement enseigner des doctrines compliquées, des gens qui ont des grosses bagues. On sait que ce sont des magiciens, on en connaît. On ne va pas citer leur nom parce qu'on ne veut pas faire leur pub. Voilà, ce n'est pas le but. Mais voilà quoi. Des gens qui vendent des bouteilles d'eau alors que vous pouvez prendre l'eau vous-même, prier pour cette eau-là, vraiment, c'est compliqué. On dit celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père. Verset 10. Si quelqu'un vient en vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, voilà vraiment, frères et sœurs, soit ce qu'on voulait partager avec vous comme partage sur la doctrine, sur la séduction par rapport aux fausses doctrines. Donc je crois qu'on a fait l'ensemble, on a fait le tour de l'ensemble du sujet et on espère vraiment que vous avez été encouragés, édifiés et que ceux qui se reconnaissent dans ces doctrines-là, justement, on vous encourage à aller faire des recherches davantage vous-même dans la parole de Dieu. Pas avec un livre de votre pasteur, pas avec un livre qu'un autre prophète a d'abord écrit. On ne vérifie pas la Bible avec un livre. On vérifie un livre par la Bible. Est-ce que ce qui a été écrit dans le livre, est-ce que ce qui a été enseigné, d'accord, est conforme aux Écritures? Et on peut, vous avez par exemple l'exemple des chrétiens des Bérées dans acte 11, je crois, verset 17. On nous parle des chrétiens, acte 17, 11, je crois. On nous parle des chrétiens des Bérées qui avaient des meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques parce qu'ils vérifiaient chaque jour si ce que Paul leur enseignait était conforme aux Écritures. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, le véritable problème, c'est parce que les chrétiens ne veulent plus lire la parole, ne veulent plus méditer la parole, ne veulent plus chercher d'eux-mêmes ce que la Bible recommande. Quel est le conseil de Dieu dans la parole de Dieu? Et on est dans un monde de facilité où les gens veulent aller très vite et donc du coup vont chercher la solution auprès d'autres hommes. Jésus-Christ est vivant, son esprit est vivant, son esprit habite à chacun de ses enfants et si on prend le temps de consulter le Seigneur, peu importe le temps que ça va prendre, il va nous répondre. Et la première source de réponse qu'on peut avoir avec le Seigneur, c'est la parole de Dieu des Écritures. Donc vraiment, que Dieu soit béni pour ce partage. Voilà, et que Dieu vous encourage, que Dieu vous garde. Je ne sais pas si Christ voudrait dire un mot pour la fin. Ah non, c'est bon, je bénis Dieu pour ces temps. Voilà, donc que Dieu vous garde et à la prochaine. Émission quand Dieu le permettra.